2016, on a commencé le premier instance et cour d'appel. Cour d'appel a condamné EcoBank de payer l'argent normal, et 51 milliards de francs guinéens, 8 millions 300 et quelques mille dollars. EcoBank il doit demander l'appel pour aller à Abidjan, le coup de CEDEAO, mais il n'a pas fait. Il va maintenant aller voir le ministre, l'ancien ministre Mor Doumbouya. Le Mor Doumbouya a appelé la cour d'appel pour bloquer le gros du jugement, ne donne pas ça à Amana. Il nous a appelé là-bas. On dit non, ce que vous allez faire, essayez de faire notre protocole d'accord pour que le comptable ils vont faire encore. Il dit moi je ne suis pas là-dedans. Ils n'ont qu'à aller demander, le dossier va à Abidjan. EcoBank n'a pas là-bas, moi je ne suis pas là-bas. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui a perdu, il a perdu. On dit non, 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 il faut ça. Bon, bref, le protocole d'accord qui a été fait, on dit Amana, il faut payer 1,2 milliard de francs. Or, à la cour d'appel, pendant 6 ans, 3, 4 experts qui sont pointés le dossier là, pendant 6 ans, on n'a payé que 40 millions. Mais 40 millions, j'ai payé à la place de 1,2 milliard. Espérer a dit, dans un mois, nous, on va essayer de finir avec le dossier-là. Le dossier a fait avec 14 mois avec. Le dossier n'a pas fini. Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui? J'arrive. 14 mois. Après, le 14 mois, aujourd'hui, on a donné, quand il y a eu le changement, on a donné le gros du jugement de la justice. J'ai donné ça au huissier. Wissé est allé, premier point, il est allé à la Banque centrale. La Banque centrale a dit à Wissé, non, le statut de la Banque centrale maintenant, EcoBank est sorti là-dedans. On ne peut pas saisir le compte EcoBank. Or, la loi a dit, quand tu ouvres une banque dans un pays, ton compte c'est à la Banque centrale, tout ce que tu ramassais par jour, tu déposes ça à la Banque centrale. Tous les citoyens maintenant, y compris les entreprises, ils vont ouvrir le compte à la banque privée. C'est ça la loi dans le monde entier. Mais EcoBank, si tu dois à EcoBank, il prend, il a les décisions de la justice, il va aller vendre tes maisons, la voiture, saisir ton compte, partout où tu vas prendre l'argent, il va prendre ça. Mais si toi tu gagnes contre EcoBank aujourd'hui, tu ne peux plus prendre son argent. Donc vous avez gagné contre EcoBank et qu'on ne veut pas appliquer la loi. Non, on ne peut pas appliquer. Il est sorti, EcoBank est sorti des systèmes judiciaires. Il est sorti, puisque si son compte ne peut pas saisir, donc c'est fini. On dit non, on ne peut plus, on ne peut pas saisir EcoBank, c'est fini à la Banque centrale. Son compte, il y a la personne ne peut pas toucher à ça. Mais comment tu vas avoir ton argent? Alors, maintenant, un deuxième qui est grave plus que ça, puisque ça, c'est un test. Maintenant, le juge, le président du tribunal de commerce, le protocole d'accord que moi j'ai fait avec EcoBank là, par la pression de le ministre, le ministre n'a pas signé, ce n'est pas homologué à la justice, notaire n'a pas signé aucun, un simple protocole d'accord. Les décisions de la justice, le ministre, il dit que non, il s'enfuit de ça. Le président du tribunal de commerce, il a dit que non, comme il avait fait le protocole d'accord, ça c'est fort pire que les décisions de la justice. Voilà le problème qui est grave. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Ce que moi, je vais faire, tout ce qui est en train de dire là, tout ce qui est en train de faire là, le gouvernement n'a pas au courant de ça. Mamadi Doumbouya, président de la République aujourd'hui, il ne va jamais accepter de dire que l'autre est dans la loi, l'autre, ils ne sont pas là-dedans. C'est impossible. Le ministre de la Justice n'a pas informé de ça. C'est un test qui a été fait avec le professeur Alpha Condé de 2017. Moi-même, je suis commerçant, je ne suis pas au courant, c'est maintenant que je suis au courant. Mais ce test qu'elle a là, ce n'est pas contre la société Amana, c'est contre tous les Guinéens, tous les entreprises guinéennes. Vous voulez porter plainte contre qui? Moi, je vais porter maintenant plainte contre Sékou Kandé, président du tribunal de commerce, puisque ce qu'il a fait, c'est en dehors de la loi. Je ne peux pas. Ce qu'il a fait, il a dit le dossier de la justice, la loi, le test, le protocole d'accord que EcoBank Amana a fait, ça c'est fort, mais n'applique que dessus de la justice. Moi je fais plainte contre lui à cause de ça. Il va expliquer. La loi c'est pour toute la Guinée. J'ai 12 millions de personnes qui ont voté cette loi-là. Si toi tu as dit les deux personnes sont fort plus que cette loi-là, tu vas expliquer ça. Donc voici la situation. Le Doumbouya n'a pas informé le test qu'il y a à la Banque centrale là.
le test qu'il y a à la Banque centrale, là, le président biblique ni le ministre de la Justice, ils ne sont pas au courant de ça. Ce que je suis à faire là, le président biblique, le juge, n'ont pas, et le ministre n'est pas au courant de ça. Moi, je vais dénoncer les deux points. Le reste là, moi, je vais régler ça.